Salut, Doc. On t'emmène Monsieur Deux Yeux Franz. C'est assez chaud parce qu'il a commencé à saigner dans le camion. L'hémorragie a commencé. Il lui faut absolument des culots en urgence. Très bien. Alors, je vais appeler le FS. Je vais rédiger la prescription. Redonne-moi le nom de ton patient. Deux Yeux Franz. D-E-U-Z-I-E-U. Mais t'inquiète pas, de toute façon, on a récupéré son sac. On a les papiers. On va aux admissions. On fait le nécessaire. Très bien. Allez, bon courage. Merci. Allô, le FS ? Oui, bonjour, c'est le gentiliste de garde. Je vous appelle parce que nous avons besoin de 3 kilos sanguins en urgence pour un patient qui répond au nom de M. Deux Yeux. Ah oui, tout à fait, je vous envoie les tubes et je rédige l'ordonnance et le brocardier s'en va tout de suite hein, récupérer les kilos. Par contre, n'oubliez pas, c'est très très urgent. D'accord, très bien, merci beaucoup. C'est bien pour Monsieur Dezieux que vous cherchez? Oui, c'est ça. Le SAMU est arrivé ce matin. Ils ont déposé le sac. J'ai le portefeuille en main. Donc, je lance la recherche. D'accord. Docteur! Docteur, l'attention de Monsieur Dezieux est en train de chuter. Faut vraiment le sang. C'est très urgent. C'est bon? Il faut que je me sorte rapidement les étiquettes de Monsieur Dezieux. Oui, vite, vite. C'est bon, je l'ai trouvé. Je t'imprime les étiquettes. Ok. Merci. Docteur? Oui. J'ai collé les étiquettes sur l'ordonnance de M. Dezieux, mais vous n'avez pas encore signé. Ouais, très bien, donc je vais la signer. Je fais partir le fax tout de suite à l'EFS. Par contre, vous demandez au brancardier de descendre chercher les culots globulaires tout de suite. C'est hyper urgent. Je fais suivre les tubes également. Hein. Très bien, merci. Nico, tu peux venir s'il te plaît? Va rapidement à l'EFS avec les prélèvements et l'ordonnance qui sort du fax pour récupérer les culots. C'est urgent, hein. Le médecin a appelé. L'EFS est déjà au courant. Hein. D'accord. Ah, je n'ai pas posé le bracelet d'identification. Monsieur Deux Yeux Franz, 6 juin 1955. Je vais te ramener 3 kilos. Ah, ok, je te remercie. Pas de soucis. Tu as fait vite, c'est bien. Ok. L'infirmière vérifie que les 3 kilos sont bien destinés à Monsieur Deux Yeux Franz. Elle réalise le contrôle ultime de concordance et de compatibilité avant la pose de chaque culot. Tout lui paraît conforme. Le premier culot est posé, puis à sa suite, le deuxième. Ce téléphone n'arrête pas de sonner depuis ce matin. Allô, accueil des urgences, bonjour. C'est la technicienne de l'EFS. Je vous appelle parce qu'il y a un problème avec la demande de sang pour le patient Deux Yeux. Dans notre base, on connaît le patient Deux Yeux, Franz, né le 6-6-55. C'est bien l'étiquette que vous nous avez envoyée. J'ai donc délivré le culot sur cette base. Mais enfin, ces données sont en discordance avec l'analyse du tube. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur d'étiquetage, de confusion entre deux prélèvements? Non,
Non, il n'y a qu'un patient à transfuser pour lequel j'ai prélevé des tubes. Il n'y a pas de mélange de patients, ça j'en suis sûre. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas. Les tubes que j'ai techniqués ne sont pas ceux de France Dezieux, né le 6-6-1955. Bon, écoutez, le deuxième culot est en train de finir. J'arrête tout de suite la transfusion, je fais le point avec le médecin et je vous rappelle de suite. C'est quand même incompréhensible, je comprends pas du tout. Non, vraiment, je comprends pas. Tiens, voilà un portefeuille. Bah tiens, voilà une carte de groupe sanguin. Au moins, l'UFS aura sa réponse. Bon, je vais le leur faxer et puis on verra la suite après. À quelle des urgences, j'écoute? Oh, bonjour, c'est encore moi. Et oui, c'est l'UFS. Vous venez de me faxer une carte de groupe de Dezieux France. Mais enfin, il y a un problème sur la date de naissance. L'ordonnance et les tubes sont pour Dezieux France, né le 6-6-55. Mais la carte que vous m'avez faxée est pour Dezieux France, né le 24-11-88. Il y a un problème là. Effectivement, il y a un gros problème. Mais là, de toute façon, on a arrêté la transfusion des deux culots. Mais dites-moi, ils sont du même groupe au moins? Oui. Ils sont tous les deux du groupe O positif. Mais il y a quand même un antigène différent. Je vais me rendre dans la salle avec l'équipe soignante et je vous rappelle parce que pour solutionner ce problème. Oh là. C'est quoi ce problème là? Il est né en quelle année ce patient? C'est pas 1955? Il a quel âge? Et là maintenant le FS m'appelle pour me dire 1988. Cherchez-moi le problème. Mais écoutez, j'essaie de voir dans ces papiers d'identité si je trouve un document plus fiable. Non, on est vraiment dans un pétrin avec ça. Effectivement, il est né en 1988. Oh là là. Là, c'est le comble. Là, c'est le comble. Je vais faire le point avec le service des admissions. Oh, c'est le minimum. Regarde, nous avons un souci là. Hein. Voilà la pièce d'identité de Monsieur Dezieux. Il y a une erreur tout à l'heure. Tu as certainement sorti des étiquettes de nomonyme. Parce que je n'ai pas la même date de naissance. Une erreur. Effectivement, maintenant que tu dis ça, regarde, il y a deux homonymes avec deux dates de naissance différentes. Mais ça a été tellement vite tout à l'heure là. Bon, écoute, hein, je te réimprime les bonnes étiquettes. Ça sort. Voilà, on a Dezieux France, né le 24 novembre 1988. Là, c'est parfait. Il n'y a aucun doute possible. Hein? Ce sont les bonnes étiquettes. Voilà, je récupère les bonnes et je vais détruire les anciennes. Voilà, je te remercie les anciennes si nous ayons trouvé des erreurs. Hein? Ok, c'est parfait. On a transfusé Monsieur Dezieux. Il est stable. Donc, dès que la chambre est prête chez vous, on vous l'adresse sans problème. Voilà. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, on vous l'adresse et puis moi, j'appellerai votre médecin dans la journée pour avoir des nouvelles. Ben, encore merci. Hein. Merci, c'est très gentil. Au revoir. Voilà. J'ai de bonnes nouvelles concernant l'évolution. Oui. Alors, Monsieur Dezieux, donc, il est stabilisé actuellement. D'accord, il est bien conscient. Là, j'ai eu la médecine 2. Il y a une place pour lui. Donc, on va le transférer là-haut. Assurez-vous que le dossier soit bien complet. Très bien. On va contacter aussi le bon gardien. Et puis, tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà, Monsieur Dezieux. Mais ce sera fait sous peu. Ça ira, ne vous inquiétez pas. D'accord? On suit bien votre dossier et ça a été. Bonne fin de journée. À bientôt. Nico, tu viens, s'il te plaît? Oui. On va transférer M. Dezieux en médecine 2. Hein? D'accord. J'espère que la médecine 2 est déjà avertie, j'espère. Oui, ils sont déjà prévenus. Hein? Tout est OK. Hein? Tiens.
Vous êtes né le 6 juin 1955? Comme mon père. C'est une drôle de coïncidence, hein? 1955, mais mon père est né en 1956. Je suis né en 88, moi. Le 24 novembre 1988. Je parais si vieux. Oh là, je suis vraiment malade. Il faut que je me sorte rapidement les étiquettes de Monsieur Desieux. Juin 1955. Mais tiens, voilà. Voilà une carte de groupe sanguin. Au moins, l'EFS aura sa réponse. Bon, je vais le leur faxer et puis on verra la suite après. Vous êtes né le 6 juin 1955, comme mon père. C'est une drôle de coïncidence, hein? 1955, mais mon père est né en 1956. Je suis né en 88, moi. Le 24 novembre 1988. L'identito-vigilance est un combat de tous les instants. Éviter les erreurs d'identité implique les soignants, les administratifs et les patients, chacun dans son rôle. Chaque patient est unique. Sachons qui il est.